Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler un tableau ludique, un tableau qui invite à la méditation. Si vous aimez mes vidéos, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit. Vous recevrez une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. En attendant, à nos couteaux. Pour réaliser ce tableau, j'utilise une petite toile en 24 par 30. J'aurais pu utiliser un format plus grand, j'ai utilisé du coton, mais j'aurais pu utiliser du lin si je l'avais souhaité. Je l'ai enduite d'une couche fine d'acrylique blanche ou de gesso, j'ai séché au sèche-cheveux et je peux commencer. J'aurai besoin de noir, ombre brûlée, ocre jaune, blanc. Et ici, c'est un mélange fait avec du noir, du bleu outre-mer et du blanc. C'est de la récup. Je ne voulais pas gaspiller, donc je pars sur cette base couleur. Donc, je vais prendre du blanc, dans lequel je vais mettre un tout petit peu de ce mélange. Donc, c'était de l'outre-mer du noir. Ça va me faire un gris très, très clair et très légèrement bleuté. Je vais appliquer cette couleur sur une bande en bas de mon tableau et j'ai monté en augmentant mes tons pour faire du plus clair vers le plus foncé. Donc je commence sur la première bande avec cette couleur très très claire. Je viens foncer légèrement et je fais une seconde bande. Je viens maintenant dégrader toutes ces bandes. Alors mon couteau n'est pas à plat, il n'est pas en angle droit, il est légèrement décollé. Et je fais toujours ce même gestuel vers moi, je ne pousse pas, je ramène. Et je viens bouger mon poignet pour ne pas que le mouvement soit trop répété. Je viens dessiner l'amorce d'un rocher, d'un pic sur lequel prend naissance un arbre. J'y vide et je récupère pour ne pas gaspiller. Je remplis avec un mélange de noir et d'ombre brûlée, mélange non homogène, en laissant débourrer.
j'estompe le bas et je le floute pour donner l'impression qu'il sortirait de la brume. Je prends un pinceau fin et je viens construire le tronc de mon arbre. Je prends un petit peu d'ocre jaune avec du blanc et je vais apporter de la lumière. Je prends du vert olive sur la pointe d'un pinceau éventail et je viens tapoter. Je prends un petit bout du plastique qui servait à protéger ma toile et je viens un tout petit peu casser. Le côté trop régulier du pinceau éventail. Thank you.
Je prends de l'orange et je viens. Habiller mon personnage. Rappel d'orange sur le côté. Quelques oiseaux dans le ciel. Je dilue un petit peu de peinture blanche avec du White Spirit ou de l'essence de térébenthine et délicatement. Je viens enneiger ma scène. Je trouvais le milieu trop vide et j'avais envie de rappel couleur du orange, donc j'ai créé un deuxième personnage ici, en premier plan, en prenant bien soin qu'il y ait cette ligne de fuite pour donner de la profondeur. Je vais aussi juste un petit peu enneiger dessus de l'arbre pour renforcer cette atmosphère d'hiver. J'effleure vraiment pour que les couleurs ne se mélangent pas. Thank you.
Et quand je trouve mon tableau harmonieux, j'arrête. Voilà, ce tuto ludique est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu j'aime. Vous pouvez me laisser un message et vous abonner, c'est gratuit. C'est toujours pour les notifications. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et je vous dis à jeudi. Au revoir.